Bonjour à tous, bienvenue sur Factor. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel stream, un nouveau stream, le premier stream de la semaine. Et je me suis dit que vu que je recevais pas mal de jeux de la part d'un petit éditeur parfaitement connu qui s'appelle The Astrophysist, The Quantum Astrophysics Guild, et ben je me suis dit que j'allais peut-être en streamer. Et donc, on va commencer une petite session de récap sur les derniers jeux produits par ce publisher. Désolé, hein, je rentre du boulot il n'y a pas si longtemps que ça, donc je suis un petit peu cassé. Et donc, on va commencer avec The Ambassador Fractured Timeline. Ensuite, on fera du Delveld et on finira par leur dernier jeu en date qui s'appelle Breakpoint. Et on va commencer tout de suite. Si c'était. Non, on va. D'accord, on va jouer en mode roguelite normal. Alors, tu confères le grade d'ambassadeur du temps, super. Tu représenteras la communauté éternelle auprès des royaumes et tu serviras le territoire conformément aux directives de l'Eladwar et du Conseil des Oracles. Parle maintenant ou garde le serment de la communauté jusqu'à la fin des temps. Très bien, Grégor. Plonge tes yeux dans le sol du territoire. Dans le sol du territoire et soit guidé par sa sagesse infinie. Alors. Ok, d'accord. Donc, alors, c'est un twin stick. Classique. Ça a l'air assez classique. Alors, on peut choisir son arme, d'accord. Est-ce qu'on a de la mana? Oui, on a de la mana. Qui se recharge tout seul. Et ça revient vers nous. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a des systèmes de... Non, voilà. Très bien. Maintenir LT pour arrêter le temps. Ah! Attends, je peux te parler ou pas? Parler, voilà. La manipulation du temps en maintien LT pour arrêter le temps. Très bien. Ok, d'accord. Et il y a effectivement une recharge de temps. Très bien. RT tiré. Les armes traditionnelles reviennent vers vous. Superbe. Très bien, c'est noté. Plus un nourriture, super. Y, changer d'équipement. Ah ouais, donc on aura forcément pour acheter de l'équipement, j'imagine. D'accord, moi j'imagine qu'on les... On verra plus tard pour ça. Les objets qui brisent, tirer dessus quand le temps s'est arrêté. Ah ouais, d'accord, ok. Ils sont sensibles au temps, eux. Combat avancé, invincible, vulnérable. D'accord. Très bien, ok. C'est noté, manger deux aliments pour récupérer un cœur. Alors j'ai des aliments, comment je récupère X? Ok. On va récupérer un autre cœur. Une fois que tous les ennemis ont été tués, il reste sur la santé et la mana, très bien. Ah, ce marécage devrait approfondir ta formation. Le point du bras ne peut être traversé qu'à l'aide de ton pouvoir pour arrêter le temps, donc pense bien à maintenir LT. Les horribles sluags dans ce marécage sont les âmes de celles et ceux qui ont été rejetés du paradis de l'autre monde, et c'est notre devoir de purifier Teia de leur présence. Ok. Écoute, parfait. Alors. Ok. Est-ce qu'on peut tuer les lapins? Oui, on peut tuer les lapins. Ça fait de la nourriture. Hop. Donc, il faut tuer les lapins, c'est très important. Oh. Salut toi. C'est un peu rigide, hein. Alors, cet éditeur. Il est un peu spécialisé,
Je vais me remettre sur ici, tiens. Tac. Cet éditeur, il est un petit peu spécialisé dans les jeux de type arcade. Donc c'est pour ça que voilà, c'est les jeux qui vont tout miser sur la jouabilité, ce genre de choses. C'est pour ça qu'on n'aura jamais de triple A chez cet éditeur-là. Hop. C'est bien parce qu'il meurt, il fait le même bruit quand il meurt et quand il me tire dessus. Pas très... Je sais pas s'il y a de la bouffe dans ces trucs-là. Bon, easy pour l'instant. Fini. Ok, donc je peux traverser le machin. Hop, oui. Ah bah il y a de la bouffe. Oui, on en trouve de la bouffe. Ça se pète ça? Non, ça se pète pas. Et ben on va pouvoir traverser. J'ai gagné des orbes. Ah non, oui, c'est la mana qui se recharge. Très bien. La brute qui se retrouve devant nous ne peut être invoquée qu'en attendant qu'elle devienne vulnérable. Lorsque tu vois le signe apparaît, attaque. Très bien. Ok, la brute. Elle est où la brute? Où qu'elle est la brute? Ok, brute épaisse. Ok, donc ça doit être dans le codex. J'ai dû récupérer ça dans le codex. Ça me fait pas de mal. C'est bon à savoir. Hop. Un lapin. Ah oui, il m'enchevêtre lui, ok d'accord. Son truc là, ça me fait pas de mal, mais ça m'enchevêtre. On va savoir ça. On va tous le tuer, hein, tranquillement. Il y en a d'autres? Allez, viens. Fini, ok. Bon, pour l'instant, il y a rien de compliqué, hein, mais... je pense que ça va rapidement devenir un peu compliqué. Quand on voit la bonne annonce, on comprend que à un moment ça se transforme presque en bullet hell. Pour l'instant j'ai toujours pas d'armes hein, différentes. Les accès sont admirables pour le moment, cette zone devrait te donner un peu plus de fil à retordre. Mais pouvoir, ah oui, le pouvoir de tac. Ah oui, ça de la nourriture. Mais... Es-tu sérieux? Dommage qu'ils prennent pas de dégâts au retour de l'arme en fait, c'est un peu dommage. Bon. Ah, la bouffe j'en ai déjà trop. Allez, vas-y. Voilà. Bon ça sert à rien, hein. J'ai toute la bouffe qui est... toute la bouffe du monde. Donc je vais pas aller tuer les lapinous. Ça me sert à rien, mais je serais bien tenté de le tuer juste pour le fun. Il en manque un? Non. Fini. Zikaor, la plus maléfique des Suak. Je m'attendais pas à la croiser ici, mais elle sera très bien pour mettre tes talents à l'épreuve. Très bien, ok. Ça marche. Écoute, on va bourriner. Hein. Ah non. On ne va pas bourriner.
Je vais peut-être me soigner, hein. Aïe, aïe, aïe. Ah oui. Très bien. Donc je suis mort, ok. Oh, je me suis fait défoncer. Non mais faut que j'arrête, hein. Non mais sérieux, t'es pas allé jusqu'à lui. Ok, très bien, c'est noté. Allez. Ah ouais, c'est pas terrible en fait. Oh là! Oh là! Allez! Ah ben, c'était pas facile. Alors, je vais me soigner peut-être. Je vais récupérer de la bouffe. S'il y en a, hein, bien sûr. Oh les radinos. Ah quand même. Ah une arme. Chouette. une main et demie à l'arme. Là je crois qu'il y a moins de précision. Très bien. C'est une bonne première journée, Grégoire. Je serai bientôt plus tatutrice. Le conseiller souhaite que je cesse mes activités pour commencer le chemin qui fera de moi une oracle. J'aime beaucoup la liberté et l'aventure et j'ai un hommage, puis je pourrais peut-être accomplir davantage pour le bien-être du territoire si je rejoins le conseil. Dans toute façon, le siège du pouvoir, l'influence, tant qu'elle n'existe jamais, le territoire ne... Et boum! Évidemment. Classique. Et donc, c'est le drame. Grégoire, loué soit Morrigan, tu as survécu. Je n'arrive plus à bouger. Ce qui me reste d'énergie à peine à me garder en vie. Va découvrir ce qui s'est passé. La porte du monde se trouve là. Les portails te mèneront. Hein, le portail de gauche te mènera à affronter l'armée rouge à Everwood. Le roi Avatar veut notre mort depuis la prise du pouvoir. Le portail du milieu te mènera au mont Arawan. Escalade son sommet et confronte la grande prêtresse des druides. Elle est convaincue que nos pouvoirs seront la perte de notre monde. Le portail droit te mènera à la frontière de ce qui reste de Tamaris. Qui sait quelle horreur t'y attend? Va et découvre qui a provoqué des ordres. Reviens ici si un chemin intérieur s'avère trop difficile. Alors là, j'ai chopé une arme. Je sais pas ce que ça va donner, ça. Peut-être meilleur. Je sais pas. On va voir ce que ça va donner. Everwood. Ok, objectif 23 secondes, c'est ça? Ça doit être 23 secondes. Ouais, c'est ça. Oh là. Allez. C'est dommage qu'on puisse pas les taper en retour en fait. Sur leur tour. C'est un peu dommage. Qu'est-ce que tu me racontes toi? Elle veut nous attaquer. Oh non. Puis si tu te gourres, faut attendre que l'arme revienne là, c'est un peu. Je vais peut-être me soigner. Pas une seule truc de bouffe. C'est ce qu'on appelle la radinerie, hein, quand même. Oh, il y a des petits lapins. Voilà.
Zéro mana. C'est le fail. Ouf. Je sais pas trop ce qui s'est passé là. J'étais bloqué par quoi? Bizarre. Allez hop. On repart avec nos cœurs. Des petites saloperies de voleurs là par là. Je sais pas pourquoi l'arme se bloque parfois dans des ce genre de choses là. Je sais pas pourquoi. C'est mystérieux. C'est vrai que jusqu'à présent, on n'a pas trop besoin de d'utiliser nos pouvoirs. Oh là 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 là. Hop, hop, hop. Reviens. Bon, l'IA, elle est très très basique. Un marteau, tiens donc. Stomp Out est lourde, est trop lourde pour qu'un mage puisse le faire revenir. Il faut aller la ramasser là où elle atterrit. Ah. Ouais, mais si son pouvoir c'est juste d'aller péter des tonneaux, ça m'intéresse pas trop en fait. Je vais garder cette épée. Ah oui, quelle heure là? 19. Bon, bah, on a encore un peu de temps. On va consacrer une heure, une demi-heure à chaque jeu. En fait, c'est voilà, c'est relativement basique. Hein. Il n'y a pas de surprise. Hein. C'est des petits jeux. Mais ouais, c'est relativement basique. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. Ah oui, d'accord. Ah, ils peuvent se faire abattre. Ah, j'adore ça. Ça, je suis fan. Mais pourquoi tu... Ça m'agace en fait. Pas de petit lapinou par là? Ça c'est ballot ça. Ah, ça a tendance à m'agacer le fait que le fait que l'arme se bloque pour je ne sais quelle raison, c'est irritant au possible. Ah, il n'empêche, même si c'est des petits jeux, le principe c'est quand même que ça soit que ça ait du répondant. Là, c'est incroyable, elle se bloque dès qu'il y a un sprite différent, là, un brin d'herbe ou. Ça se bloque. C'est con quand même. Oh. Oh! Ah ouais, d'accord. D'accord, donc faut vraiment là utiliser le pouvoir d'arrêt du temps. Ah, pourtant je t'ai visé, hein. Finito. Ah, j'ai une nouvelle tenue. Ah, Burdalès, c'est dur d'amplifier les pouvoirs magiques de celui ou celle qui l'apporte. Leurs pouvoirs deviennent plus rapidement réutilisables. C'est pas mal ça.
C'est chouette qu'il y ait aussi des armures à dispo. Alors, qu'est-ce que tu me racontes, toi? Tu as vu que les dingues c'est bien les pillages et les ravages, tu les tous. Bon, ok, d'accord. Ça me... Quelque chose qui me convient, ça. Ah oui, classique, ça. Là, on commence à avoir un peu les... Allez, viens. Ah, j'ai fait le boulet, hein. Ah, tu découpes les armes, ok. Pourquoi pas? Oh, mais non, je le savais, ça. C'est ça, faut s'éloigner en arrêtant le temps au moment où il frappe. Nourriture. Est-ce que j'ai une autre nourriture dans le coin? Un lapidou. Tac. Plus de nourriture. De toute façon, mon mana il va mettre reset donc. C'est bon. Je suis au max. Dommage qu'il n'y ait pas d'objet à dénicher en fait. On se balade mais il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas de loot dans les niveaux. Oh, il y a un archer là? Ah oui, un archer. Ah non, c'est injuste ça. Ouais. Non, là je passerai pas là. En fait, en se rapprochant, on gagne un peu de... En se rapprochant du personnage. Ah, pouvoir. Ah oui, d'accord, ok. Nickel, ça. Très bien. Aïe. Voilà. On va essayer de trouver de la bouffe par là. Parce que j'ai quand même utilisé pas mal de bouffe. C'est quoi ça? Bon, ça fait pas grand chose. Plus de nourriture, très bien. Pas de lapin là. Hein.
Eh bien, c'est un échec critique, hein. Tant pis, c'est pas grave. Un cimetière, tiens donc. Ah, des Kutla, d'accord, des Kutla, pas des cimetières. Pourtant, une contrée lointaine, ces Kutla sont tranchants comme un rasoir et tournent autour de celui qui les lance. Ils doivent être lancés simultanément. Ah bah écoutez, on va essayer ça. Hein. Étonnant. Ah là, mais il fait tellement mal là. Hein. Mais il va en sortir combien là en fait? La vache. Allez! Non, je fais n'importe quoi en fait, hein. Voilà, bon bah là on arrive sur un niveau un peu costu et je fais n'importe quoi, vraiment. Mais bon, vous avez l'idée. Oh putain, je gaspille ma vie, mais là c'est... En fait l'arme est juste pas terrible en fait, voilà. Je vais reprendre une arme convenable. Voilà. Mais comment je peux faire ça en fait? Comment je peux être aussi mauvais? Faut aussi dire que eux, ils me les brisent un peu en fait. Alors ils spawnent sans cesse là. Je peux rien faire en plus. Je peux juste les regarder à respawn. Oh, non mais non. Bon, de toute façon, il est l'heure. On va passer à la suite, hein. Qu'est-ce qu'il voulait me dire lui? Ouais, non, y a rien. Bon, bah très bien, bon, on va s'arrêter là. Hein. Hop, porte du monde. On va juste aller faire un tour dans les autres portes pour voir ce qu'il y a ici. D'accord, ouais. Est-ce qu'on a... Oui, on a toutes nos armes. Ça, c'est plutôt cool. Ah oui, d'accord, ok. Donc, ils se TPE. C'est original. Ok, donc c'est le level au-dessus en fait. C'est le level au-dessus, très bien. Il y a des niveaux un peu plus recherchés par là quand même. Hop. Ok, bon, on a vu celui-là, on va aller voir le dernier et puis on va passer au jeu d'après. À mon avis, c'est plus costaud. Ouais, déjà... Déjà, ça a l'air plus costaud ici. Là, on est dans des niveaux où ça t'oblige un peu à utiliser tes pouvoirs de temps, quoi.
Voilà. Ok, très bien. Bon, bah on a vu un peu ce qui nous attendait dans ce jeu. Voilà pour The Ambassador Fractured Timelines, qui est déjà disponible. On va passer maintenant à un autre titre. On va passer à Delveld, qui est un platformer puzzle. Qui est un platformer puzzle. Qui n'est pas sans rappeler... un jeu qui était sorti sur Xbox One, je crois. C'était un des premiers jeux indés sur Xbox One qui nous faisait... je sais plus comment il s'appelle ce jeu d'un plus. C'est dingue. Dans lequel on avait deux petits personnages de chaque côté d'une dimension qu'on devait se trimballer d'un niveau à l'autre. Donc voilà, on commence. On se déplace. Pour recommencer, c'est... ok, d'accord, c'est B. Très bien. Et on doit amener... Les petits cubes à l'autre côté du niveau. Voilà, classique. Donc ça rappelle aussi Ibeob que j'ai testé sur Factor il n'y a pas si longtemps que ça. Qui est vraiment du même acabit. Ah oui. Ah ouais, c'est vraiment du Ibeob. C'est vraiment un puzzle typique de ce qu'on trouve sur IBM. Ah, d'accord, là il y a des boutons à activer. Ça change un petit peu. Ça fait quoi ça? Ouais, c'est ça. Ça. Alors, non, c'est raté. Hmm.
Voilà, simplement. D'accord. Donc si j'ai 10 étoiles, je dois débloquer le spécial, j'imagine. J'ai pas eu l'étoile là-dessus. Ah, je peux passer au deuxième quand même. D'accord. On me bloque pas. On bloque pas la progression. C'est déjà cool. Ça commence. Mais non. Je perds mon étoile, d'accord, ok. Si je reset trop de fois, je perds mon étoile. Ouais, ça se complique tout de suite, hein. C'est ça. On va faire là. Hein. Tant qu'à faire. Oh non, c'est pas vrai. Allez. Réfléchissons. Voilà, c'est ça. Ok. Ouais, là c'est comme ça. Et le dernier, c'est les grandes amplitudes. Raté. Ouais, oui, bien sûr, je perds mon étoile. Décidément. Voilà. Alors ici, comment je fais pour passer là? Comme ça, tout simplement. Alors... Et maintenant, je fais comment pour aller là-bas? Ouais, mais je peux pas faire ça. Ah, d'accord. D'accord, ok. Très bien.
Bon, j'aurais bien eu un peu de variété dans les musiques parce que bon, c'est pas désagréable, mais quand même. Si je fais ça. Voilà, c'est ça. Maintenant. Non, j'ai perdu mon étoile. Alors, quel crétin. Allez. Mais non, mais je me fais avoir à chaque fois en fait. C'est une catastrophe. Ah oui. On peut pas passer là. Bon, on va faire celui-là déjà. Non, ça n'apporte rien, ça. Oui, bah oui. Comment on va de l'autre côté là? Voilà. Maintenant, ici. Ah, je pensais que je pouvais passer là. Eh oui, mais non, je peux pas. Ah, je fais n'importe quoi. Concentration. Donc, là. Non, mais non! Mais non, mais je le fais exprès, je sais ce qu'il faut faire. Je me gourre. Bêtement. Je me gourre bêtement.
Allez. Voilà. C'est ça qu'il fallait faire. Ah, maintenant, faut faire passer celle-là de l'autre côté. Faut faire l'inverse. Hein. Alors. Oui, mais si je me décale, je vais pas y arriver. Alors. Voilà. Eh ben, ça se complique. Ça se complique. On va faire ça déjà. C'est ça. Bon, bah en tout cas, vous avez vu à quoi ça ressemblait. Je pense qu'on va passer à la suite, parce qu'on a un peu vu à quoi ça ressemblait. On a quand même une série de pas mal de niveaux, hein. Puisqu'on a de 4, 6, 8, 12 niveaux, 120 niveaux. Et voilà pour ce D-Level qui termine abruptement. Et on va passer au dernier jeu de cette sélection, c'est Breakpoint. C'est un jeu qui rappellera sûrement des souvenirs à ceux qui ont joué à ce splendide jeu qui était signé je ne sais plus qui pour Activision. Ça y est, vraiment, ce soir, j'ai du mal. Mais vous allez vite comprendre de quoi je parle. C'est Geometry Wars, voilà. Ok, d'accord. Donc on a un espèce de petit vaisseau avec un petit marteau. Et le but du jeu, c'est d'exploser tout le monde avec ce marteau. Petite intro des familles. Charge niveau 1. Breakpoint. Casse. Je vous avais dit qu'il y avait un petit côté Geometry Wars quelque part, même si bon, le principe du jeu, on est loin du shoot 'em up de Geometry Wars, mais c'est un concept. D'accord. Charge niveau 1.
Ah. D'accord, ok. J'ai pété. Oh. D'accord. Oh, je vais me faire exploser contre ce petit con. Donc ces objets-là, en pétant, en fait, ils créent des explosions qui peuvent me sauver la vie quand je suis aux prises avec une trop grosse armée de mobs. En fait, j'ai l'impression que tout peut me... Ah, ou c'est la charge? Ah, d'accord. D'accord. Aïe. Ah oui, ok, d'accord. Donc vous, quand vous explosez, vous envoyez des boulettes. Ah, je retrouve c'est technique hein. Au bout d'un moment ça devient technique en fait. S'il commence à y avoir beaucoup d'ennemis à l'écran, beaucoup de projectiles. Aïe aïe aïe. Et c'est la fin. D'accord. Et c'est vraiment ultra arcade. Hein. Votre casse-sommette se vide quand vous infligez des dégâts aux ennemis. Une fois vide, votre arme casse et inflige une grande zone de dégâts aux ennemis. C'est donc ça en fait. Effectivement, voir la rediffusion. Je peux revoir mon. D'accord, je peux revoir ma rediffusion. D'accord. Je peux juste quitter. Redémarrer. Donc c'est vraiment un jeu à scoring. Il n'y a rien de plus quoi. En fait. Bon, j'imagine qu'il y a des armes qui vont sûrement arriver en plus, mais on est sur un Geometry Wars de mêlée en fait. Voilà. Donc si voilà. Faut le savoir hein. Le jeu c'est vraiment pure mêlée et pur scoring. Ça s'arrête là quoi. Donc le but du jeu c'est de pas se faire coincer par les vagues d'ennemis. Parce que si on se retrouve avec une arme toute neuve alors qu'on est au milieu d'ennemis, on est plutôt mal en point. Ces histoires de charge level X là, j'aimerais bien savoir à quoi ça correspond en fait. Ah oui, d'accord, c'est vraiment. Si je gagne une charge. Oh non, 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 non. Je gagne une charge et en plus là, j'étais quasiment arrivé au MK2, c'est dommage. Oh là là, comme je les ai évités. Fantastique. Oh, un coup de là. Oh, c'est bon ça. Dégoûté. Ah, j'adore cette arme.
Ah, j'adore ce coup de là, franchement. Oui. Ouf. J'étais greedy, mais ça a porté. Non, alors là, je vais pas prendre cette arme. Je vais garder mon coutelas. Ah, il y avait une lance. D'accord, ok. Ah, là, je commence à faire pas mal de dégâts en fait. D'accord. Vaisseau à tête chercheuse. Aïe! Aïe! Aïe, aïe, aïe. Ouais, bah pas mal. Il y a pas mal d'armes. Il y a pas mal de monstres différents. Et je vois que les high scores sont vraiment très hauts. À moins que ça soit des high scores de l'IA. Mais en tout cas, c'est violent. Hein. 6 555 000 points. Il doit y jouer une bonne petite demi-heure, le garçon, quoi. Oh non, 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 mais ça c'était gratos. Ça c'était une fin gratos. Allez, donnez-moi une autre arme. Allez, charge niveau 1. Mais non, j'ai été greedy. Oh. Pas mal. Une hache. Ah mais la hache, je la connais. La hache, je la connais. Voilà. J'ai été très mauvais. Ah la hache, je la connais. N'importe quoi. Ah, voilà. Parfait. Pas mal ça, hein. Pas mal du tout ça. J'ai l'impression que l'allonge... Je gagne en allonge aussi à chaque niveau que je passe. J'ai vraiment cette impression-là de gagner en allonge. Après, est-ce que c'est le cas? Réellement, je ne sais pas, mais... Ouf, j'ai failli me faire buter là. J'ai failli me faire buter gratos. Oh non! Ouais, j'ai récupéré une épée. C'est un marteau que j'avais ou quoi? Ah oui, je veux ça. Je veux ma petite pique. Ah ça c'est pas mal, hein. Franchement. Pas mal de dégâts ce petit truc. Bon, il va falloir bouger un petit peu avant de mourir. Toi, quand tu exploses, je sais pas ce que tu me fais. Ah oui, tu fais des petits. Oh là ! Oh là là ! Ah ! Le bon petit coutelas là. C'est bon ça. Le coutelas de l'amour.
Celui-là, il fait du bien. Oh là, je vais mourir. Oh, je vais mourir dans pas longtemps, là. Oui, voilà. C'était garanti sur facture. Ah. 211. Bon, j'étais mauvais. J'étais mauvais. Allez, on s'en fait une dernière. Avant de se quitter, on s'en fait une dernière. Oh, pff, oh là là, il faut y mourir, là. Bon, finalement, l'arme de base, là, la hache, je la trouve pas phénoménale. Hein. Vraiment... c'est vraiment... c'est vraiment pas ma préférée. Oh, mais je suis foncé... J'ai foncé dedans comme un ego. Ah oui, d'accord, là, c'est la grosse hache. Ouais, bon, ça, c'est pas terrible non plus. Parce que... ça met 3 plombes à balancer un coup. Et on miss. On a vite fait de miss les coups avec ce truc là. Alors. Et voilà. Garantie. Forcément, avec une arme aussi lente. Effectivement, quand ça casse, ça fait des dégâts, mais... Oh là là, je sais même pas comment j'ai réussi à esquiver tout ça, moi. Voilà, bah ça, c'était gagné. C'était obligé avec cette arme. Et on terminera sur un score de 2300, hein, qui n'est pas fameux comparé à mon top score de 19680. Voilà donc pour Breakpoint, c'est le dernier jeu en date de ce petit éditeur qui est, on le rappelle, Quantum Astrophysics Guild. Donc spécialiste du jeu d'arcade, hein, voilà, vous, si c'est pas votre style, vous n'allez pas vous y lancer dedans, ça c'est clair. Ben voilà pour la petite découverte de ces trois derniers jeux qui sont sortis vraiment à quelques semaines d'intervalle. Là, le Breakpoint, je pense qu'il est dispo depuis vendredi dernier. Donc vous voyez vraiment les jeux sortis tout récemment. On va s'arrêter là pour ce soir, pour cette petite soirée découverte 3 en 1. Moi je vais vous laisser, mais d'abord je voulais vous signaler que c'est la sortie de Baldur's Gate 3, en tout cas l'accès anticipé de Baldur's Gate 3, et on va faire une petite couverture de salle de ambiance chez Factor, puisque d'un côté vous allez avoir la preview de Fougère qui devrait arriver une fois qu'il aura fini l'accès anticipé, c'est-à-dire... les journées ne font pas 25 heures. Ah merde, non. Mais en tout cas, ça va arriver très, très, très rapidement. Et moi, de mon côté, je vous ferai des streams pour qu'on teste ensemble la partie communautaire sur Twitch. Donc je vous ferai aussi des streams du jeu de mon côté pendant que Fougère sera en train de poncer le jeu pour vous préparer une preview à l'écrit. Voilà, donc il y a de fortes chances qu'on reprenne l'antenne demain. Pour commencer cet accès anticipé de Baldur's Gate 3. Et si j'arrive à trouver un compère pour le faire en coop, ben on le fera en coop. Voilà, donc en tout cas, ça promet une semaine de stream sur Factor. Donc restez à l'affût. Si vous voulez suivre et savoir quand est-ce qu'on streamera, ben le plus simple c'est de s'abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter et venir sur notre Discord, puisque vous avez un salon dédié à nos streams qui viendra vous balancer une petite notification quand on stream. Voilà donc pour cette semaine sur Factor. Samedi, vous aurez rendez-vous avec Fid aussi, qui streamera un jeu mystérieux dont il a le secret. Mais d'ici là, voilà, on se retrouvera très probablement sur Twitch dans le courant de la semaine pour jouer à Baldur's Gate 3. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de soirée, et je vous dis à très vite donc sur la chaîne de Factor. Pour plus de streams, ciao ciao.